Je vous préviens, j'ai fait Picard. Allez, commencez, je vais tourner la salade, j'arrive. Picard pour un repas de famille, je suis content d'avoir fait ça sans bord, moi. Ouais, c'est pas foulé. Super bonne votre tourte, Mamina. C'est Picard, je peux vous dire que c'est du boulot, hein. Enfin, c'est surtout eux qui le font, le boulot, hein. Qui ça, eux? Je t'ai fait toute seule? Ah non, maman. De deux choses l'une, soit tu l'as faite, soit c'est Picard. Non, mais maman, tu l'as acheté dans le magasin, tu as payé, tu as ouvert le paquet, tu l'as réchauffé. Tu te souviens de tout ça? Mais qu'est-ce que vous arrive tous aujourd'hui? Vous êtes pas bien? J'ai pas passé ma journée dans la cuisine pour m'entendre dire que j'ai fait réchauffer au micro-ondes. C'est la meilleure. Vous aimez pas ça, les plats Picard? Ah bah si. Moi, je suis super fan de leur moussaka. Ah ouais, ça? Ah non, non, Alain. La moussaka, c'est grec. C'est pas du tout Picard. Là, vous êtes tous zinzin. C'est une flamiche, une tourte picarde. Je la vends pas, j'ai passé ma journée à le faire, c'est ce que je dis. Ah, c'est une tourte picarde de Picardie. Oui. C'est une recette de ma cousine Damien. Damien, c'est bizarre, hein, comme prénom pour une femme. Ma cousine Rose, Damien, en Picardie. Ok. Mais vous l'avez connue, ma cousine Rose à Amiens, derrière la cathédrale, rue. Rue? Rue. Mais d'accord, mais rue quoi? Mais je viens de te le dire, rue. Maman, tu sais, tu finis plus tes phrases. Mais enfin, c'est un cauchemar. Rue, comme la famille de Robert Rue, le coco, voilà, rue. Ah. Là, vous m'avez épuisé. Allez, on passe à la suite.